Jour 17 de mon défi 30 jours, 30 projets photo. Et cette fois-ci, il fait beau, donc je suis sorti un petit peu. Et on va travailler sur de la double exposition aujourd'hui. Donc j'ai pré-exposé chez moi une pellicule de Agvavista Original 200. Je vous avais dit, j'en avais tout un stock. Donc j'ai pré-exposé les 15 premières vues avec des images de plantes que j'ai à la maison. Donc des cactus, des orchidées, des fougères, etc. Les plantes qu'on a dans l'appartement. Donc en macro 85 mm avec une bague macro. Et là, j'ai chargé le grand angle sur le Canon A1. Et on va essayer de jouer un petit peu sur le contraste de ces plantes prises en gros plan et faire des doubles expositions un petit peu plus architecturales. Et voilà, tentez le coup. C'est toujours le but de cet exercice. Tentez des trucs. C'est parti. J'avais laissé la fin de la semaine dernière avec... un Baptiste un petit peu déprimé. En tout cas, j'avais eu pas mal de ratés la semaine dernière, mais là je repars vraiment motivé pour la suite de ce projet. Donc là c'est le 17e jour, donc on a passé un petit peu la deuxième semaine un peu difficile, et je repars vraiment très 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 motivé. J'ai plein de nouvelles idées. On va laisser passer la voiture. Vraiment, je vois tout ce que ça m'a apporté de faire ce projet. À la fois photographiquement, je teste beaucoup de nouvelles choses. Je fais des photos tous les jours en fait, je fais quasiment une dizaine de photos par jour pour le coup. Et honnêtement, ça fait énormément réfléchir sur le process créatif, ça permet de lancer plein de séries. Et c'est vraiment hyper intéressant et hyper, hyper productif si vous voulez passer au niveau supérieur, on va dire, de votre photographie. C'est vraiment un truc à faire, même pour soi-même, sans forcément... Alors, après le fait de le poster sur YouTube, forcément ça donne une échéance. J'ai un peu l'impression d'être jugé par tous vos regards, et ça me motive un petit peu à le faire, parce que ça met un petit peu de pression. Mais je vous encourage vraiment à le faire même pour vous-même, sans poster quoi que ce soit sur YouTube, mais même simplement en postant sur Instagram ou des choses comme ça pour vous mettre une pression. C'est vraiment super intéressant à faire et on progresse beaucoup. Et voilà, c'est l'heure d'un nouveau point vidéo. Alors ce qui est étonnant, c'est que pour vous, c'est tout défile dans une seule vidéo. Bon, moi, c'est un petit peu chaque fois écarté de plusieurs jours. Là, ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de tourner. Ça a été un moment que j'ai pas pu vraiment mettre à fond dans le projet-là. Parce que je fais des cours de photo à côté avec un organisme qui s'appelle Photo Academy. Et j'ai eu beaucoup de cours de photo là qui ont été placés ce week-end, donc j'ai pas pu trop me concentrer sur le projet. Alors bon, j'ai quand même eu le temps de faire les différents projets. Samedi, j'ai travaillé sur de la double exposition. J'ai travaillé sur le thème street photographie parce que c'était le sujet de mon cours. Donc j'ai travaillé au numérique sur de la street photographie. Je suis pas hyper content du résultat, mais je pense que c'est le travail au numérique qui m'a posé problème. Mais bon, j'ai du mal à voir mes photos. J'étais un peu limité par mon matos, par le temps qu'il faisait, par le fait de travailler aussi, d'avoir des élèves à côté. C'était pas forcément facile pour faire ça, pour vraiment s'y mettre et travailler sur un projet plus construit. J'ai fait aussi d'autres projets. Alors hier, je travaillais sur le thème coffee, j'ai travaillé sur de la petite nature morte. Et lundi, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais vous allez avoir les images, voilà, qui vont défiler sur le côté, avec éventuellement un petit texte pour vous expliquer ce que j'ai fait. Petit bilan là, aujourd'hui on est donc au jour 22, jour 23, on est un mercredi. Et bon, j'ai aucune inspiration. Là j'étais chez moi en train de chercher de ce que je pourrais faire, bon, c'est pas facile. Je pense que là j'arrive à un point aussi où c'est difficile de lancer des nouveaux projets tous les jours, où j'ai envie de recreuser les projets que j'ai déjà fait, où j'ai envie de revenir sur ce que j'ai déjà fait les semaines précédentes. J'ai envie de retravailler sur le film couleur en noir et blanc. J'ai envie de travailler aussi beaucoup en noir et blanc, et ça me frustre pas mal que j'ai plus beaucoup de pellicules en noir et blanc, et j'ai pas forcément le temps de lancer les projets que je voudrais. Dans mon temps, j'ai pas beaucoup de temps même pour sortir un petit peu de là où de mon quartier. Donc c'est un peu difficile pour moi de trouver le temps de lancer des projets plus longs et de garder l'inspiration. Donc en général, quand c'est comme ça, bah je sors juste. Quand j'ai pas l'inspiration, je sors et je vois un petit peu ce qui se présente sous mes yeux.
Et souvent, comme ça, ça se débloque. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas encore trop sur quoi je vais travailler. Je suis en train de me diriger vers un petit parc, un petit jardin qui est sympa, qui est à côté de chez moi. Donc j'hésite avec le thème ombre, parce qu'on a pas mal d'ombre, mais bon, selon l'heure, on verra bien, selon le temps aussi, comment ça se passe. Et puis, on verra bien ce que je trouve aussi sur mon chemin. Allez, j'y vais, c'est parti. Alors, finalement, voilà, j'étais dans le petit parc. J'avais plus beaucoup de vues, en fait, sur mon appareil. Donc, il me restait une dizaine de vues, donc ça a été assez vite. Et j'ai travaillé un petit peu sur le thème ruine. Parce qu'en fait, dans ce parc, on a pas mal de textures comme ça, de vieilles briques qui datent, en fait, qui sont des ruines d'une ancienne citadelle Vauban. Des anciens murailles de la ville de Lille, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Et le parc écologique où je suis exactement, je vais travailler un petit peu sur des pousses, le retour du printemps. C'est un petit peu ruine, retour du printemps. On verra bien. Voilà, je vois à ma droite une super photo que j'aurais pu faire. Et j'ai plus de péloche. Donc, c'est un peu dommage. Tant pis. Puisque donc, ce qui est intéressant avec ce jardin, c'est que c'est un jardin qui a été laissé à l'abandon pendant genre 5 ans. Et qui là est en train d'être repris en main par une nouvelle association qui fait pas mal de travaux dessus, qui essaie de le remettre un petit peu accessible et de le remettre au goût du jour. Donc voilà, on va être un petit peu sur un thème un peu hybride que je ponds comme ça parce que j'ai le droit, parce que c'est mon projet. Donc j'ai le droit de pondre des thèmes comme ça quand ça m'arrange sur le thème de ruine renouveau. Donc je sais pas si ça rendra bien en photo, si l'intention sera intéressante. Je pense que ça va dépendre comment j'organise ma petite série de 9-10 images, hein, donc ça va être tout petit. Voilà, je pense que l'essentiel de ce projet, au fur et à mesure, c'est de faire des photos tous les jours. Ça, c'est pas évident. La difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller faire des photos ou de sortir faire des photos, mais c'est vraiment de trouver l'inspiration et de trouver des idées de projets. Là, j'ai envie de retourner sur les projets que j'ai déjà commencés. J'ai envie de suivre un petit peu ce que j'ai déjà lancé, ce que j'ai déjà commencé. Donc, c'est difficile de se motiver à faire des choses nouvelles. Et à un moment, en termes d'inspiration, on n'a pas toujours une réserve sans faille. Donc, j'espère que ça ira. Là, il reste un peu moins d'une semaine pour mon projet. Au jour où je tourne cette vidéo, je pense qu'il reste même une semaine. Donc bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais ça va pas être facile, mais on va y aller. Et voilà, on arrive au jour 23, on est vendredi 23 mars, donc c'est le jour où j'édite un petit peu cette vidéo, et là je me rends compte qu'il me manque pas mal de choses, donc je fais ce petit bilan en plus de la vidéo qui sort normalement le dimanche. Alors j'ai tourné pas mal de cette petite vidéo avec mon téléphone dans la rue, parce que c'était plus simple pour moi, plutôt que d'avoir toujours à trimballer mon réflexe que j'avais pas toujours avec moi, toujours à trimballer mon numérique. J'espère que ça vous a pas dérangé. Moi, je trouve que ça donne une petite mise en scène un peu sympa, un petit peu différente justement des épisodes canons classiques de la chaîne. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. J'ai aujourd'hui développé la deuxième pellicule donc de cette semaine. Alors je dois avouer qu'effectivement j'arrive un petit peu, je suis content d'arriver petit à petit au bout. Là il reste une semaine de défis. J'avoue que l'inspiration commence à tomber petit à petit. C'est aussi dû au fait qu'il fait très très moche dehors, il fait très pluvieux, il fait très gris. J'avais prévu pas mal de projets en extérieur. Et c'est vrai que là je me suis retrouvé un petit peu bloqué par rapport à ça, parce que ce que j'avais prévu de faire ne rendrait pas du tout bien avec la météo qu'il y a. Donc les jours que vous avez vu là en vidéo où j'étais dehors, c'est à peu près les deux, trois seuls jours où il a fait correct dans la journée et dans la semaine, et encore j'ai profité de petites éclaircies. Donc finalement je suis retrouvé à devoir réinventer un petit peu des projets d'intérieur un petit peu rapidement comme ça, sans l'avoir forcément prévu. Donc hier j'ai travaillé sur textile, puisqu'on a reçu une super couverture en crochet. Donc c'était un petit peu l'occasion qui a fait le larron, et j'ai travaillé sur le thème du textile, à la fois en macro, pas en macro, avec de la pellicule couleur. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait un sujet carrément détente, parce que je suis pas mal fatigué aussi cette semaine. Beaucoup de taf, beaucoup de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de rendez-vous clients, etc. Donc pas eu trop le temps de me mettre dans ce projet personnel. Donc j'ai travaillé sur mon chat, sur cette nouvelle couverture. Donc voilà, c'était un petit peu le projet plus détente du vendredi. Il reste une semaine et je vais faire un petit bilan comme ça de tout ça, de ce petit défi. Ben, je suis
à la fois content que ça arrive petit à petit à la fin. J'espère qu'il fera meilleur sur la dernière semaine pour que je puisse aller faire les différents projets que j'avais prévu de faire en extérieur. Et en même temps, c'est vraiment difficile de se motiver tous les jours à faire des photos. C'est vraiment quelque chose de pas évident, même de trouver le temps, même quand on essaie d'en faire son métier, son activité principale. Bah forcément, ça vient aussi dans le chemin de choses qu'il faut faire pour ça, donc c'est pas évident. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de lancer énormément de projets, j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé dans ma prise de vue, en tout cas mentalement, de réfléchir à beaucoup plus de choses qu'auparavant, et ça a lancé non seulement des séries physiques, mais ça a aussi lancé chez moi pas mal de réflexions sur ma pratique photo, sur comment je fais des photos habituellement et sur où est-ce que je vais avec ma pratique photo personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Donc, je referai un bilan complet à la fin des 30 jours officiels, donc d'ici une semaine, donc certainement dimanche prochain. J'espère en tout cas que ça vous plaît de suivre cette petite série annexe, ce petit hors-série sur la chaîne, suivre un petit peu mes aventures. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur à la fois les images, sur les séries ou même sur le projet en général. Et je vous dis à dimanche prochain pour la suite et la fin de ce petit projet. Merci à tous de continuer à me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, voir dans la description les liens sociaux. Et à très bientôt.